Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, repositionner le Commonwealth pour l'agenda de développement post-2015. C'est le thème de la 60e conférence parlementaire de l'organisation intergouvernementale. Depuis le 2 octobre, les représentants des 53 États membres, dont 18 États africains, sont arrivés à Yaoundé, au Cameroun. Le logement social est en pleine expansion sur le continent. La demande n'a jamais été aussi élevée. L'occasion pour les promoteurs immobiliers d'élargir leur activité. C'est le cas d'Adoa, leader du secteur de l'immobilier au Maroc. Et focus en ce fin de journal sur la deuxième édition de la Biennale internationale de Casablanca qui s'est ouverte ce vendredi. Le thème retenu cette année, un autre monde est possible, mais il est dans celui-ci. Une vingtaine de pays africains et membres du Commonwealth, une organisation intergouvernementale dirigée symboliquement par le Royaume-Uni. Cette année, les travaux de la 60e conférence parlementaire du Commonwealth sont organisés à Yaoundé, la capitale camerounaise, du 2 au 10 octobre. Une grande satisfaction pour le président camerounais, Paul Biya. Écoutez-le. Mon pays s'est réjoui d'avoir été choisi pour abriter la 60e conférence de l'Association parlementaire du Commonwealth. Cette marque de considération et de confiance honore le peuple camerounais. Par leur présence massive, les parlementaires du Commonwealth témoignent de façon éloquente de l'intérêt qu'ils portent à la solidarité entre les peuples qui le représentent. C'est aussi, pour la grande famille du Commonwealth, une belle preuve de son engagement résolu à œuvrer avec constance et détermination en faveur d'un monde meilleur. L'attaque au nord du Mali qui a fait 9 victimes parmi les soldats nigériens de la force onusienne ce vendredi 3 octobre a été revendiquée par Sultan Ould Badi, un proche du Moujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Il a par ailleurs annoncé que d'autres actions menées contre les forces militaires sur place seraient à prévoir. L'accès à un logement digne pour les populations, c'est l'ambition, et qui est incluse dans la quasi-majorité des politiques publiques sur le continent. Et pour cause, conséquence d'une population jeune et d'une classe moyenne en plein essor, les besoins au logement se chiffrent par centaines de milliers sur le continent africain. Une aubaine pour les promoteurs. Hanan Farou. L'accès à un logement digne pour les populations, l'ambition est incluse dans la quasi-majorité des politiques publiques des pays du continent. La stratégie est devenue un véritable enjeu pour les exécutifs car le logement garantit la sécurité sociale. C'est dans ce contexte que certains groupes immobiliers ont développé leurs activités vers le logement social. C'est le cas du groupe Adoa. L'entreprise est aujourd'hui le leader du secteur de l'immobilier au Maroc. Le groupe Adoa, vraiment, il a accompagné le cheminement du Maroc vers ce qu'on appelle le logement social et vers ces grands ensembles. On arrive à des logements qui sont vraiment sociaux, en accession à la propriété, et le prix pour certains appartements des 2 à 3 pièces ne dépasse pas 25 000 euros. Ce qui est vraiment très avantageux pour les familles. Créé à la fin des années 80, Adoa est coté à la bourse de Casablanca. En 2013, son chiffre d'affaires s'élevait à plus de 9,4 milliards de dirhams. Depuis quelques années, le groupe s'étend sur le continent. Plusieurs projets de logements sociaux ont été annoncés en Afrique subsaharienne. Il est tout à fait possible d'opérer ces mêmes projets, ces mêmes chantiers de logements sociaux à bas coût dans d'autres villes africaines, parce que c'est le même continent. Adoa, qui a pris racine au Maroc, qui a acquis une expérience, qui a acquis un savoir-faire, peut dispatcher et peut justement opérer dans d'autres villes africaines. Aujourd'hui, le groupe marocain opère dans 16 pays africains. La cité de l'émergence à Dakar est le dernier projet lancé par le groupe le 23 septembre. Ce projet urbain de 648 logements devrait générer plus de 1600 emplois. Mais face à la démographie galopante du continent, le défi du logement social reste une œuvre titanesque.
première université du Bénin, l'université d'Abomey-Calavi, s'est vue décerner le trophée catégorie diamant par le Business Initiative Directions, un organisme international privé basé en Espagne. Cette institution universitaire devient ainsi la seule sur le continent à recevoir cette distinction pour le progrès et la qualité de l'enseignement dispensé. Reportage de notre correspondant au Bénin, Cher Aliwa Tawema. Une récompense pour le système universitaire béninois. L'université d'Abomey-Calavi reçoit pour la troisième fois le prix de Business Initiative Directions, BID. Des critères tels que le leadership, la qualité, l'innovation ou encore l'excellence ont été pris en compte par l'institution pour saluer la transparence et le progrès de la bonne gouvernance dont a fait preuve ce lieu du savoir. Ça permet de constater que nous faisons l'effort d'avoir une année académique normalisée, que c'est l'un des meilleurs critères retenus pour juger les universitaires, notamment des pays où, vous savez, le risque de mal terminer l'année est relativement élevé. Mais aussi, globalement, nous sommes très visibles. Les offres de formation sont attrayantes. Quelques initiatives ont concouru en la faveur de l'université, notamment la mise en place d'un programme du service des volontaires et la création d'un parc d'incubateurs spécialisés pour les demandeurs d'emploi. Avec un taux d'accroissement annuel de 11%, cette université est la plus grande du Bénin et compte plus de 95 000 étudiants pour 1 300 enseignants, toutes catégories confondues. De grands défis se présentent aux autorités rectorales, la dispensation régulière des cours et le respect du programme académique, entre autres. Les engagements que nous avons pris, c'est d'abord toujours de maintenir une année académique normalisée, nous l'avons affirmé avec fermeté, et de développer l'éthique de la qualité. Ils ont beaucoup insisté sur cela. Donc, à tout point de vue, nous devons montrer que la qualité, la recherche de la performance fait partie de nos objectifs. Pour cette rentrée académique 2014-2015, cette université mettra en œuvre le système d'inscription en ligne. La formation à distance dans les programmes de second cycle sera également mieux développée. Au Maroc, la deuxième édition de la Biennale internationale de Casablanca s'est ouverte ce vendredi sous le thème « Un autre monde est possible, mais il est dans celui-ci », avec la participation d'artistes, d'amateurs et de professionnels pour célébrer l'art contemporain et promouvoir l'industrie culturelle. Pendant 10 jours, 200 artistes de tout le continent ont été conviés et les premiers spectateurs semblent déjà conquis. Écoutez-les. Et je trouve ça vraiment, vraiment très incroyable, très, très intéressant, très... J'ai adoré, et surtout la partie où il y a la femme qui a fait toute la Kama Sutra, c'était excellent. Et aussi la partie de l'italien, c'était très très sensuel, très... Sauf qu'il n'a pas mis la partie des petits seins des femmes, il a mis que les gros seins, je ne sais pas s'il est fan ou... Mais à part ça, c'était génial. Et à travers l'art, je crois qu'on peut changer beaucoup de choses, parce que c'est un moyen qui donne beaucoup plus de force à comprendre le changement. Et je crois qu'à travers l'art, parce que c'est l'art qui peut faire quelque chose, mais pas la politique. Les politiciens, ils sont bornés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.